Adama Traoré, un joven asesinado por la policía francesa en 2016. Su crimen se convirtió en un emblema de la lucha contra el racismo y la brutalidad policial. En este video te vamos a mostrar fragmentos de la entrevista que Anas Kassib le hizo a integrantes del Comité Justicia y Verdad por Adama Traoré, una emisión especial del programa de Revolución Permanente de Francia, parte de la red internacional La Izquierda Diario. Anas Kassib es trabajador ferroviario e hijo de inmigrantes y está luchando contra las leyes antidemocráticas de Francia para poder presentarse como candidato presidencial en 2022 y expresar con su candidatura la voz de los de abajo. Chers amis, bonjour à toutes et à tous. Vous êtes sur Révolution Permanente. Je suis très heureux de vous accueillir pour une émission spéciale particulière en direct du tribunal de Pontoise ici pour le procès de Bagui Traoré. Bagui Traoré, c'est le frère de Adama Traoré et le frère également de Assa Traoré qui est enfermé, qui est derrière les barreaux depuis plus de 5 ans maintenant et qui aujourd'hui vit un procès politique, un procès à charge en fait et un procès qui est historique. En réalité, jamais on a vu plus de 80 gendarmes porter plainte et attaquer Bagui Traoré. On l'accuse notamment d'avoir attenté à la vie de personnes dépositaires de l'ordre public, comme on dit, de la force publique. Et il passe en procès depuis le 21 juin et ce procès se terminera le 9 juillet. On va discuter du procès de Bagui Traoré avec quelques membres du Comité Justice et Vérité pour Adama. Avec moi aujourd'hui, dans le cœur de ce tribunal de Pontoise, on l'a pris un petit peu en otage, j'ai envie de dire. On s'est assis, on a posé nos chaises, nos caméras et on va faire une discussion profonde autour de ce procès politique, mais également de tout ce qu'il y a à faire au Comité Justice et Vérité pour Adama, toutes les attaques qu'ils peuvent subir et aussi de savoir un peu l'actualité du comité à quasiment ces 5 ans depuis la mort de Adama Traoré et cet événement qui aura lieu le 17 juillet prochain à Beaumont-sur-Oise pour les 5 ans de la mort d'Adama Traoré. Je suis aujourd'hui avec Assa Traoré, la sœur de Adama Traoré et la sœur de Bagui Traoré qui est en procès actuellement. On est avec Lotfi qui est un des amis d'enfance qui vit à Beaumont-sur-Oise et qui a grandi depuis tout petit avec Adama Traoré, Bagui et toute la famille Traoré. On est également avec Youssef Brakni qui est militant politique antiraciste et qui est aux côtés du Comité Justice et Vérité pour Adama depuis le début, et également avec Almami Kanouté qui est un militant également politique, activiste politique, militant antiraciste et qui est aussi membre à part entière du Comité Justice et Vérité pour Adama. Ma première question, ça va être pour Assa. Assa, est-ce que tu peux nous dire pour toi qu'est-ce que revêt en fait ce procès politique qui est en train de vivre Bagui, et également de savoir qu'est-ce que ça t'a fait de voir ton frère, après 5 ans derrière les barreaux, être assis de l'autre côté, on va dire, du côté du banc des accusés, alors qu'en réalité, il aurait dû vivre ses 5 années aux côtés du Comité Justice et Vérité pour Adama pour obtenir la justice pour son frère. Aujourd'hui, on se retrouve 5 ans après dans le tribunal de Pontoise. Il faut savoir ce qui se passe. Si on est là aujourd'hui, c'est parce que mon frère est mort, c'est parce que Adama est mort. Et aujourd'hui, alors... À l'heure d'aujourd'hui, les gendarmes n'ont toujours pas été mis en examen. Aujourd'hui, on a l'impression que les rôles se sont inversés. Aujourd'hui, on a l'impression que Adama Traoré n'est pas la victime, mais que les gendarmes ont pris le rôle et le costume de la victimisation et passent un à un aujourd'hui devant la barre. Plus de 90 gendarmes qui portent plainte contre mon frère Bagui et d'autres. Et les 3 gendarmes mis en cause dans la mort de mon petit frère ne sont toujours pas mis en examen. La justice n'a pas été aussi vite pour eux. Mais il faut rappeler qu'il y a eu un mort. Aujourd'hui, on a l'impression que la vie de mon frère vaut moins que ces 90 gendarmes, que la vie d'Adama ne compte pas, que la mort d'Adama ne mérite pas de justice. Mais c'est un combat qu'on ne lâchera pas. Bagui ne sera pas le bouc émissaire de cette affaire. Bagui ne sera pas sacrifié pour avoir la vérité, la justice pour Adama. Parce que mon petit frère est innocent. Aujourd'hui, c'est un acharnement que ma famille subit depuis 5 ans. Ça fait 5 ans que c'est la famille Traoré qui se retrouve toujours sur le côté des accusés. Et nous sommes les victimes. Et c'est important de le rappeler, c'est qu'Adama est mort. C'est que mon petit frère est mort ce 19 juillet 2016, le jour de son anniversaire, le jour de ses 24 ans. Mon frère n'a pas demandé à croiser ces 3 gendarmes. Mon frère n'a pas demandé à ce que ces gendarmes
le fasse subir un plaquage ventral. Ce jour-là, mon frère a porté le poids de plus de 250 kilos sur lui. Et ce jour-là, mon frère va mourir. Et nous avons des gendarmes aujourd'hui qui étaient présents ce 19 juillet, qui vont passer à la barre un à un et accuser le frère d'Adama Traoré de tentatives d'assassinat. C'est inadmissible. Gendarme. Juste pour resituer par rapport au procès de Bagui, donc il a été arrêté, notamment par rapport aux révoltes qu'il y a eu à Beaumont-sur-Oise suite à l'assassinat en fait de Adama Traoré, c'est ça, et notamment de ces révoltes qu'il y a eu dans le quartier de Boyenval, et c'est ce qui est la police en gros accuse Bagui Traoré d'être responsable notamment de ces révoltes, et on entendait notamment les policiers se plaindre, dire qu'ils ont reçu des jets de projectiles, etc., qu'on a attenté à leur vie. C'est pour ça que Bagui Traoré aujourd'hui est enfermé depuis 5 ans et est en procès aujourd'hui ici. Exactement, aujourd'hui, suite aux révoltes qui ont suivi la mort de mon petit frère Adama, on dit que Bagui a participé à ces révoltes-là et a tenté d'assassiner 90 gendarmes. Ce qui est absurde et ce qui... Youssef, moi je voulais t'interpeller là-dessus, là, parce qu'on voit en fait, on se dit une chose, on se dit qu'en réalité on se bagarre pour obtenir la justice, et en réalité le système judiciaire, l'État en réalité, est en train de mener la guerre à la famille Traoré, après la mort de Adama Traoré. Est-ce que toi, tu peux nous dire ce que ça signifie, en fait, tout ce qui est en train de se passer là, et ce procès politique où notamment vous racontiez que les 80 gendarmes étaient venus un peu faire du cinéma avec le képi sous la main, etc., comme si limite ils avaient encore des blessures de guerre, etc., etc., et de voir pourquoi, en fait, le comité Adama subit un tel acharnement de tout le pouvoir judiciaire, policier, etc., et qu'aujourd'hui, plutôt que d'avoir la justice pour Adama, c'est encore une fois un frère et un membre de la famille Traoré qui a attaqué. Oui, en fait, en réalité, ce qui se passe aujourd'hui, c'est que la répression et les manœuvres politiques et judiciaires sont à la hauteur de la mobilisation qu'a pu créer la famille Traoré, les amis d'Adama et le comité de manière générale. C'est-à-dire qu'en fait, malheureusement, la mobilisation a été tellement importante, ça a traversé, ça a été au-delà des domaines qu'on a d'habitude dans ce genre de mobilisation, plutôt dans les quartiers ou dans les milieux voilà, qui sont déjà dans la lutte contre les violences policières. Là, il y a une mobilisation inédite en fait. C'est-à-dire qu'il n'y a jamais eu une mobilisation autour d'un mort entre les mains de la police ou de la gendarmerie qui a autant atteint toutes les sphères de la société. Et ça, faut bien le comprendre. C'est-à-dire que ça a été vraiment dans toutes les sphères de la société française. Et plus que la société française, c'est à l'échelle internationale aujourd'hui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, notamment bon, grâce à Time Magazine, mais un peu auparavant, mais surtout grâce à Time Magazine, au Japon, il y a des gens qui connaissent le combat pour la vérité, la justice, pour Adama. En Suède, en Finlande, aux États-Unis évidemment, au Canada, même en Amérique du Sud, partout dans le monde aujourd'hui. Et ça, le système ne peut pas l'accepter. Le système ne peut pas l'accepter, et donc il va mettre en place une stratégie globale, et ici on en voit une démonstration, mais il y a d'autres moyens de faire pression sur la famille Traoré notamment, c'est la stratégie de s'en prendre, ce qui a été dit dès le départ du comité, à la cellule familiale, à la famille. Parce qu'en fait, la famille, c'est une ressource. La famille, c'est une ressource, c'est ce qui permet de tenir, ce qui permet de lutter. La famille, on le sait, en situation notamment coloniale, l'armée française notamment, a toujours tout fait pour détruire les familles. Il y a des scènes, par exemple, où on brise les familles, on enferme, par exemple, le seul homme de la famille qui travaille, ou par exemple, on va humilier, par exemple, les filles de la famille devant les pères, devant les frères, etc., pour briser ce qui fait la résistance. Et ça a toujours été dans toutes les situations. Ça a été le cas aux Antilles, ça a été le cas en Afrique de l'Ouest, etc. C'est-à-dire que c'est de toujours briser ce qui permet de résister. Et donc là, c'est un exemple parfait, c'est de s'attaquer aux frères. Parce que là, on parle de Bagui, mais il y a eu d'autres frères qui ont été pourchassés, qui ont été aussi condamnés pour des petits délits où on n'aurait pas de peine de prison. Aussi qui est d'ailleurs, bien sûr, mais il y a eu des peines de prison pour les autres frères, oui. Évidemment, Assa Traoré. Et donc, tout le truc autour de ça, c'est de briser la cellule familiale, de briser ce qui fait la force, en réalité, de cette lutte, c'est la famille Traoré. Et le comité n'est qu'une reproduction, en réalité, de la famille Traoré de manière élargie. 100 000 personnes il y a un an, et notamment... toi, Assa et les autres, vous parliez de génération Adama. C'est quoi la génération Adama, en fait? Qu'est-ce qui est derrière ce terme-là de génération Adama? La génération Adama, c'est une génération de jeunes de moins de 30 ans qui sont rentrés en politique ou qui se sont politisés sur la question des violences policières et du racisme autour de l'affaire Adama Traoré. C'est-à-dire que comme il y a pu avoir une génération Zedebouna, moi c'est plus ma génération, j'avais 17 ans à l'époque,
en 2005. C'est ce qui m'a politisé personnellement et d'autres événements, mais bon, ça a été un événement marquant quand même. Aujourd'hui, on a toute une génération, et on le voit, tu l'as vu, hein, ceux qui étaient là devant le TJ, à République, la moyenne d'âge, c'était moins de 25 ans même. C'est très très jeune. Donc c'est une génération qui s'est politisée autour de cette affaire. Et surtout que c'est une jeunesse, c'est des jeunes qui viennent de partout. Ils viennent essentiellement des quartiers populaires, mais ils viennent vraiment de tous les milieux sociaux. Et en fait, ce mot de génération Adama, c'est un peu, on parlait de génération climat en fait. Et la même année, en 2020. Et en fait, on a eu cette génération spontanée de jeunes lycéens plutôt blancs des centres-villes qui sortaient pour le climat. Qui sortaient pour sauver le climat. Et en fait, c'était drôle parce que le traitement médiatique de la génération climat, on n'a pas dit ça. Qu'est-ce qu'on a dit sur la génération climat? On a dit « Ah, c'est bien cette jeunesse qui se soucie de son avenir. Voilà, bah, c'est une fierté. » Tu vois ce que je veux dire? Ils se sont identifiés, ils se sont dit « Ces enfants-là, ça peut être mes enfants. » Or, la génération Adama, on ne s'est pas dit que ça pourrait être leurs enfants. Al-Mami, tout à l'heure, on parlait de la génération Adama et de cette jeunesse des quartiers populaires qui était dans la rue le 2 juin, le 13 juin. Pourquoi cette jeunesse des quartiers populaires qui est mobilisée, qui se mobilise derrière le comité Adama, elle se mobilise pas derrière les grandes mobilisations telles qu'on peut connaître contre l'extrême droite, comme il y a à peu près une dizaine de journées à Paris à l'appel des organisations, on va dire, traditionnelles de la gauche politique, associative, tout ça. Toi, en tant que militant des quartiers populaires qui voit cette jeunesse émerger et se politiser, en fait, pourquoi elle vient pas dans ces mobilisations-là? Mais elle vient, tu l'as compris, dans les manifestations du comité Adama, les manifestations des militantes et des militants des quartiers populaires. La gauche, en gros, ne lui parle pas aujourd'hui, les partis de gauche traditionnels. Aujourd'hui, la gauche et la droite, j'ai envie de dire, ça ne leur parle pas du tout. Et on le voit aujourd'hui avec le taux des abstentions des dernières élections, quoi, des derniers scrutins. Et en réalité, c'est que ça devrait les pousser à réfléchir à comment aujourd'hui ils imposent leur politique. Mais qu'est-ce qu'on pourrait dire à ces partis, ces organisations de gauche? Parce que cette jeunesse des quartiers populaires, cette génération Adama, elle est profondément de gauche, elle est même révolutionnaire, j'ai envie de dire. Elle vit les inégalités sociales et raciales profondément, en fait. C'est en Seine-Saint-Denis et autres, c'est là où il y a le plus fort taux de chômage. C'est quoi le message que toi, tu as envie de transmettre en tant que militant politique, en fait, depuis des années, à ces organisations de gauche, d'extrême gauche, pour discuter avec les militantes et les militants des quartiers populaires, mais aussi avec cette jeunesse-là? Eux ne font plus partie de l'équation. C'est ce qu'ils ne veulent pas comprendre. Donc ils ont beau continuer à nous faire leur spectacle d'union républicaine ou je ne sais quoi, ça ne marche plus. Parce qu'on s'est fait avoir tellement de fois que la chanson, on la connaît. Et la nouvelle génération se sont rendus compte à travers le comité Adama et les autres comités qu'il n'est plus temps d'attendre. On n'attend plus après qui que ce soit. On décide, on a un objectif et notre volonté, on l'applique. On se bat pas que pour Adama. Hein. Découvres là le système, là, en vrai? Réellement, ouais. Qu'il essaie de vous broyer. Je pensais pas qu'ils étaient en capacité de faire autant de mal, de construire des dossiers. Pour moi, c'était pas possible, c'était le NCIS. Parce que même quand je raconte, quand beaucoup de gens viennent, ah, l'affaire Adama, on t'a reconnu, explique-nous. Mais quand tu leur racontes, rien que le 40%, tu dis là, faut arrêter parce qu'ils vont me prendre pour un fou. C'est pas possible. Alors que moi, concrètement, on en parle rarement. Moi, le corps de mon pote Adama, je l'ai vu. J'ai pas besoin de détailler, mais quand on voit le corps, on comprend beaucoup de choses déjà. Alors non, droite-gauche, nous on s'y retrouve pas, on est des mecs des quartiers. On nous disait oui, les gilets jaunes. Moi je suis un gilet transparent depuis des années, je suis pas un gilet jaune. Ça veut dire quoi pour toi, gilet transparent? Gilet transparent, ça veut dire que ceux qui portent le gilet jaune aujourd'hui, je respecte. Hein. Ce qu'ils font, c'est magnifique, il n'y a pas de problème. Mais nous, ça fait des années et des années aussi que nos grands frères, ils crient qu'il y a une injustice, des incompréhensions. On a même des gilets jaunes qui se sont excusés auprès de nous parce que pendant tant d'années, ils ont été regardés les médias, mais ils ont été aussi emportés par l'aspect médiatique. Ah oui, ils ont fait ceci, ils ont fait cela. Mais une fois que ces gilets jaunes des zones rurales et ceux qui ne viennent pas des quartiers populaires, qui n'ont pas vécu ça, qui ont connu les violences policières et qui essayaient de réclamer justice et qui ne l'avaient pas, là, ils sont venus s'excuser, nous dire ah oui, pendant tant d'années, on ne vous a pas cru, mais finalement, on vous comprend aujourd'hui et on s'excuse. C'est pour ça que je dis qu'on était des gilets transparents. Nous, on soulignait tout à l'heure, on fait face à un système qui sait que depuis 2005, met tout en œuvre pour éviter tout embrasement national. Donc on a connu les révoltes suite à la mort des Yedebouna. Deux ans après, c'était Laramie et Mohsin. Et avant 2005,
on a connu des affaires. Et encore aujourd'hui, on en essuie énormément. Avec ou sans vidéo. Et le souci, c'est que ils ont tellement eu l'habitude de procéder de cette façon-là qu'ils pensaient que ça allait perdurer, j'ai envie de dire, dans le temps. Mais là, ils font face à de nombreux citoyens qui ont compris plus ou moins le mécanisme qui nous imposait depuis un certain nombre d'années. Et ce mécanisme-là, on va dire indirectement, on a réussi à créer le contre-mécanisme politico-judiciaire face à ce contexte-là. Donc aujourd'hui, je ne sais pas comment ils essayent de procéder, hormis accentuer la répression qu'ils continuent à faire subir auprès des différentes familles, auprès des différents comités. Mais ce mécanisme-là, on l'a mis à découvert. Pourquoi on a vu pour George Floyd, il y a eu un procès express? Le système judiciaire, déjà, il est différent. Tu vois, là, à ce niveau-là, on ne peut pas comparer. Mais dans la réactivité, après, c'est la volonté de l'homme. Pour moi, c'est qu'une question de volonté. Peu importe le système judiciaire. Quand on veut, on peut. Et pour, malheureusement, ce qui s'est passé aux États-Unis, on a les images. On a l'attitude du policier, quoi, des policiers. On a les révoltes et qui dépassent la ville où ça s'est passé. Et politiquement, il y a des prises de position fermes. Donc c'était soit, là on marque le coup et on essaye d'apaiser les tensions, soit on laisse... C'est pas plus les luttes ? Pas plus la révolte, parce que des images, on se rappelle en 2015 notamment, il y avait, j'ai oublié son nom malheureusement, mais il y avait déjà des images comme ça où des personnes étaient mortes, étaient assassinées. Garner, et même ce qui a donné l'émergence de Black Lives Matter aux États-Unis. Les gens oublient même que Black Lives Matter, c'est pendant qu'il y a un président noir, en fait, qu'on décrivait comme Martin Luther King et qu'en réalité n'a été que la continuité de l'État bourgeois. Si tu veux, à travers ces luttes, il y a eu une amplification de justement Black Lives Matter qui était installée, implantée un petit peu partout aux États-Unis. Et on peut avoir là la description d'une organisation qui a fait de la prévention depuis Garner. T'as des organisations qui, comme celle du comité, se sont inspirées des prédécesseurs, comme le MIB par exemple. On est dans la continuité, en fait, de ce que les anciens ont mis en place. Et juste pour éviter de reproduire les mêmes erreurs, il y a une forme de comment dirais-je, d'évolution sur le plan organisationnel, sur le plan politique, sur le plan intellectuel. Et du coup, on est en train de former, tout à l'heure on a évoqué la génération Adama, on est en train de indirectement former les futurs activistes, les futurs militants, les futurs engagés. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le mot d'ordre, c'est on ne laisse plus rien passer. Caméra ou pas caméra, on ne laisse plus rien passer. De bouger, de vous organiser, est-ce qu'ils n'ont pas peur que, ici en France, le comité Adama soit un Black Lives Matter à la française? Je sais de ce que représente Assa, non pas uniquement en France pour la génération, la jeune génération, mais également ce qu'elle représente aux États-Unis. On voit que le Time Magazine, en fait, qui lui accorde une de son journal, en fait, c'est des choses qui sont historiques. Est-ce que toi, tu as ce sentiment-là en tant que militant politique du mouvement antiraciste? Oui, c'est clair. Comme pour George Floyd, en fait, ce n'est que le fruit. Pourquoi ça a pété à ce moment-là? Parce qu'en fait, c'est le fruit d'un engagement plus lointain de luttes qui se sont accumulées. Baltimore, Ferguson, etc. S'il n'y avait pas eu Baltimore, Ferguson, New York, tous les morts qu'il y a pu avoir, qui ont commencé surtout sous l'ère Obama, effectivement, en fait, il n'y aurait pas eu un tel mouvement autour de la question de George Floyd. Par contre, en revanche, c'est chaque pays a son histoire. La France a sa propre histoire autour des questions raciales, autour des questions d'esclavage, autour des questions de la colonisation. Et je pense que, y compris les populations issues de l'Afrique subsaharienne qui ont immigré ici dans les années 70, 80, etc., n'ont pas la même histoire en fait que les Afro-Américains. Et quand on parle souvent, on dit que le comité Adama ou Assa Traoré importe ce qui se passe aux États-Unis, ça me fait rire en fait. En fait, c'est pas vrai. C'est l'Europe qui a exporté vers les États-Unis un système raciste et un système de domination des êtres humains à l'échelle planétaire.
Chers amis, merci à vous toutes d'avoir suivi cette émission spéciale. C'était la famille, voilà, ça circule à droite et à gauche. On était en live sur le Insta de Assa Traoré. Moi, ça me fait plaisir de vivre ces émissions. Il n'y a pas besoin de tout ce qui est feutré, de BFM TV, des costards cravates. On est entre nous, c'est la famille. Vous êtes sur Révolution Permanente. J'ai pris énormément de plaisir à discuter avec Almami, Youssef, Assa, Kamer, Landry, l'autre fille. Antonine, qui était avec moi et qui ont pu réagir. Je vous appelle avec beaucoup de force à venir les soutenir le 17 juillet. Le 17 juillet 2021, ça va être les 5 ans de la mort, de l'assassinat d'Adama Traoré. Vous l'avez entendu, Assa, elle le disait, 5 ans, il n'y a toujours pas eu le moindre procès. Il n'y a pas le moindre accusé, en fait, dans cette affaire qui est affreuse. D'accord ? Et il va falloir les soutenir. Vous ne pouvez peut-être pas être là pendant ces 3 semaines de procès. Kamer le disait à quel point il n'y a même pas la place pour accueillir tout le monde. Mais la meilleure réponse qu'on peut apporter à ce système, c'est que les 100 000, 150 000 personnes qui étaient place de la République le 13 juin dernier, en 2020, eh ben, ils soient là dans le quartier de Boyenval, dans le quartier de Adama Traoré pour les 5 ans de sa mort, pour lui rendre hommage. Et cette phrase-là de Kamer, c'est pour les générations futures. Et je pense que c'est ça. C'est aussi pour tous nos petits frères, nos petites sœurs, etc., tous les pères de famille, les mères de famille, pour qu'il n'y ait plus jamais de Adama Traoré, pour qu'il n'y ait plus jamais de Sabri, pour qu'il n'y ait plus jamais de Gueye Camara, mais pour qu'on se batte, non pas pour courir derrière la justice, mais pour se battre pour la vie et pour dénoncer notamment tout ce système-là, toutes ces inégalités sociales et raciales qu'on vit dans les quartiers populaires. Je le dis et je le répète, on ne se fait pas uniquement assassiner, on ne se fait pas uniquement violenter, mais on vit au quotidien, notamment en tant qu'ouvrier, et ben, les inégalités raciales. Youssef parlait tout à l'heure de cette catastrophe qu'a été le Covid-19 et qu'on a payé de notre chair. On est très nombreuses et très nombreux à avoir perdu des proches, des mères, des pères, des tontons, des tatas, des frères et des sœurs durant le Covid-19. Et on l'a vu à quel point, ben, parce que c'est nous qui sommes en première ligne, c'est nous qui nettoyons les chambres d'hôtel de Ibis, c'est nous qui nettoyons les gares de Honnête, c'est nous qui conduisons les bus, les trains, etc. Et c'est pour ça qu'il va falloir se battre pour obtenir la justice et la vérité pour Adama Traoré et tous les autres, mais également pour une société meilleure et différente et émancipée dans laquelle on en finira avec les oppressions raciales, sociales et l'exploitation capitaliste. Et les amis, j'étais fier de vous avoir reçu dans cette émission spéciale de Révolution Permanente. Avec... Pour la famille Traoré, je suis Adama. Pour la famille Traoré.